Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait un son de Didi B qui était en train de tourner. C'est pas vraiment un son en fait, il a posté ça en story ou un truc du genre, il a posté ça en Snapchat ou quelque chose ou je sais pas quoi. J'ai vu qu'il a reposté plusieurs fois sur Instagram, j'ai vu que d'autres l'ont posté, dont Scoop du Rap Ivoirien. Salutations à eux. Et on va checker ça tout de suite. J'ai vu, il y a écrit Didi B tease un extrait de sa nouvelle sortie. Qui attend ce morceau? Je vais checker ça. Let's go. Et c'est parti. Mettre le son bien. Oh! Attends. Oh là là. Je suis dans le bolide frère, les démons à l'intérieur. Oh la la! Les locaux sont pas à fond pour la merde, les petites sont déjà sécurisées. Mais moi j'avais plus privilège, ils sont obligés de faire des aides, sans même miser. Oh, viens dans le gang, on est très, ils sauront jamais ce qu'ils y passent. Oh, oh, le gang veut plus la petite. Oh la la! Le son il est dingue! VIP tranquille au chill, bouteille de la connaissance. Ya, merde! Drip en maîtrise, tous les mots vont nous appuyer. Je suis choqué. Ce soir le cœur est noir comme un verre à pied. Barré le gang est là, sinon les têtes affichent. C'est incroyable le son. Le reste s'en fiche. Yeah, et je l'en fais une lettre. Et je l'en fais une lettre. Tu jures, il manque un feat français dessus. Genre un Booba, hein, un mec du 9-2 dessus. Ou un Franglish, je te jure. Oh là là. Magnifique, magnifique, je suis choqué, de ouf! De ouf! Je crois, pour moi, je pense que c'est l'un des plus gros sons de Didi B qui va sortir. Quand il va le sortir, ça va exploser. Franchement, je crois que c'est le meilleur, c'est le plus gros son que je kiffe de Didi. C'est totalement le style d'instru que je kiffe. Le flow qu'il a dessus, mon gars. Là, les basses puissantes, elles sont dingues. Le flow, la douceur. Je te jure, ça, c'est les morceaux qui passent super bien dans le top. Dans le top la rap français, tu vois. Ça passe facilement en radio, ça passe facilement en clip. Je fais un beau petit clip propre avec, ouais, des trucs détente, propre avec des beaux paysages et tout. Oh, oh là là, énorme. Je te jure, ça c'est un morceau à fitter de ouf. Tu vois, ça. Oh là là, je leur mets encore une troisième, je te jure, elle est énorme. Elle est énorme. Commentaire, ça dit quoi? Didi B, les sports du rap ivoire international, on sent déjà l'influence de Booba dans cette chanson, évidemment. C'est pas le style de Booba, on va dire, mais comment il est conçu, tu vois. Il y a un truc qui est très rap français, très hitmaker un peu, tu vois. C'est ouf. Tu vois, il y a une petite phase pirate, tout ça. Donc je pense que ça a été peut-être fait. Peut-être c'est une prod faite par. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle le gars. Le mec qui a produit. Je sais plus comment il s'appelle, c'est bien. C'était qui déjà? J'avais vu, il était sur Paris avec lui. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, d'où? Je sais plus comment il s'appelle, ils ont un gros producteur rap français, il a produit pour MHD, tout ça, je crois. Pour Booba, c'est une grosse tête en ce moment sur, dans le rap français, et je crois que c'est produit par lui, si je dis pas de bêtises.
Je vais le trouver là, ça me gêne. Moi je vais absolument le trouver. J'ai trouvé son nom. Sur quel temps? De toute façon, c'est produit par lui. Danny Sainté, mon gars. Danny Sainté, peut-être que c'est produit par lui. Je mets une petite carte sur lui, parce que le son il est propre. Je sais qu'il a tourné avec lui dernièrement. On sent une influence française. FR. Je te jure, franchement, il y a un truc de ouf. Je suis choqué. En tout cas, bon, on va s'arrêter là, écoute. Hein. Oh, je vais mettre juste en fond. En tout cas, énorme son. Je trouve que le son est incroyable. La prod, elle est faite pour toucher tout type de public, on va dire. C'est pas trop vulgaire, c'est pas trop violent. C'est doux. C'est ce qu'il faut, tu vois. Ce qu'il faut. Peut-être même il aurait dû le balancer pour l'été, tu vois, genre juillet, mais après enfin juillet, genre juin, un truc comme ça, mais je pense que c'est plus par rapport au fait qu'il a signé chez 9DI Africa. Ouais, je pense que quand il va sortir ça va être un truc de ouf. Je kiffe. J'espère qu'il va faire un beau clip, un gros clip. Il n'y a pas de feat. Ça aurait pu être featé avec un gars chaud, un français. Ça aurait été ouf, franchement. Et la prod, elle est énervée de ouf. Elle est dingue. Le refrain, il est fou. Il y a des phrases de dingue. C'est exactement le genre de style que je kiffe. Et j'ai pas trop entendu Didi sur ce style de son. A signé un petit peu, je crois. Après, c'est pas son genre. Il est beaucoup plus sur les phases, sur le flow, sur la technique. Là, il était plus en douceur, plus en train de surfer sur le son, tu vois. Et moi, je valide de ouf. Donc, bravo à lui pour ce son. Et quand il va sortir, mon gars, soyez prêts. Comme on dit, la piraterie n'est jamais finie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà ce qui est dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao. Oh là 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 là!